ולת השם לזוהר ולשומתנו ישמעת מרדכי שמיר בן יהודית וגם מחלוף אליהו בן פרחה ואלה תולדות יצחק פתח רבי חייא ואמר מי ימלא לגבורות אדוני יש מי ישמיע כאוטלתו די רבי חייא אני רוצה להגיד לך חידוש להלל את השם שווה רמי אכסי השם אלוהי השם למה? ידידי תחזה בוא תראה אני שווה תמרון חיקר שעוזבי אינסי בוא תחזה כת באה קודשה בריחו, Vessalik, Biruté, Kamel, Alma. Quand à Barrou, il a eu cette idée et cette volonté de créer le monde, tu vas construire quelque chose. Quoi? Tu arrives comme ça, avec un marteau, tu commences à... Tu baim ça, tu arrives tu arrives tu arrives comme tu suis le plan et tu construis. Tu mets ça ici, ce mur-là. Euh, euh, C'est le plan, on a. Maya, plan Shakash barou. Quel était le plan d'Acosh barou? A Torah Kedosha. La Torah a existé. La Torah a existé 974 générations avant la création de ce monde. Avant que ce monde ait été créé, la Torah existait déjà. 974 générations. C'était le blueprint. C'était le plan du monde. אומר רבי חייא, די רבי חייא, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? כסקיפי זה הקדוש ברוך הוא? בכל עובדה ועובדה דברה הקודשה בריחו בעלמה, אבא מסתכל באורייתא וברא לה. לפני שעשה כל דבר, רצה לעשות שמיים. יבולי פרלוסייל, מסתכל, כן, יאללה, שמיים. יבולי פרלטר, מסתכל, ירגעת, ארץ, יהיה ארץ. Il voulait créer les animaux. Il regardait, voilà, girafe haute, des girafes, des zèbres, de... il crée. Tout a été créé avec un plan. Il y avait un plan devant Hachem. Et il suivait le plan. Ken? Pourquoi? 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 Pourquoi Pourquoi Pour que le monde soit adapté à l'étude de la Torah, à l'application de la Torah. Et je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans la Torah, c'est écrit, la Torah katouf, « Vaya leot al yadecha, ul totafot benenecha ». Combien de fois ce verset est écrit Deux fois. On le dit chaque matin, Patach Eliyahu, page 7. Deux fois. C'est écrit la première fois dans le premier passage, « Kadesh likol bechor, peter korechem ». À la fin de ce passage, « Vaya leot al yadecha, ul totafot ». Là-bas, c'est écrit normal. « Vaya leot al yadecha, yud dalet chaf sofit ». יו דלת דלת חף סופינל, כן? דו זה עם פסאז' ויהי אם שמוע תשמורי מצוותאי, ז'וס קלפה עולת על ידיך ולתוטפות בעיניך. רגע, רדל הבא כמו שתקחי? ידיך יו דלת כף ה. למה ה? בהתחלה לא כתבת יו דיבית שפה יקחי, פוקו? חכמים או אבחי דון התורה הוראה דמשה רבנו ידך תשי למו און דה yad keha, yad keha. keha, faible, faible. De là on apprend, de là on apprend que le téphilim se, se met toujours sur la main faible. Qu'est-ce que c'est faible? Tu es droitier, c'est quoi ta main faible? Gauche, alors on met à gauche. Tu es gaucher, qu'est-ce que c'est ta main faible? Droite, tu mets à droite. Tu comprends? C'est de là qu'on apprend ça. Mais une seconde! Est-ce que tu as une oreille faible? Est-ce que tu as une oreille faible? Est-ce que tu as un pied faible? Non. Pourquoi rien que dans la main, Hacham a fait la distinction entre la droite et la gauche? Une main faible. Vous savez pourquoi? Parce que dans le blueprint, dans le blueprint, qu'est-ce que c'est écrit? You, you follow the blueprint. Tu suis le blueprint. Le blueprint, il dit... In me feb. Ok. Alors, Nerchaf Bore Adam. Bore loyat khalasha. En aïn khalasha. En ozen khalasha. Rakiyat khalasha. Tu comprends Après, dans le même hors d'idées... Qu'est-ce qui dit le blueprint Ulto tafot ben enecha. Ulto tafot ben enecha. Nachon Qu'est-ce qui dit le blueprint Le ben enecha. On ne le, le met pas ici. On ne le met pas sur le front. On le met plus haut que la ligne de cheveux. Plus haut que la ligne de cheveux. Ken? Où c'est écrit ça C'est écrit à Goïm, à el les Goïm avaient une coutume. Chez Mishuan Iftar, quand quelqu'un mourait chez le Goïm, il se graffinait. Le, le, la, la, il se graffinaient ici, le la, 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 ici, il graffinait avec des couteaux, il coulait du sang. La Torah te dit

il s'est graffiné au oh, de la ligne de cheveux. ben De là, on apprend que les Téphilim ne sont pas sur le front. Ils sont au-dessous au du front. Ça veut dire sur la ligne de cheveux. Okay? Maintenant, la question. La question. Regarde le poisson. Où est-ce qu'ils ont les yeux Sur le côté. Sur le côté. Il y a des animaux qui ont les yeux sur le côté. Comment ça se fait qu'Hachem t'a fait symétrique Tu as un visage, deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles. Les oreilles sont sur le côté. Les yeux ne sont pas sur le côté. Ils sont ici. Pourquoi Parce que le blueprint, le plan, qu'est-ce qu'il dit le plan ?« ben ben dans ce cas, dans ce cas, il faut créer les yeux au centre du visage, un à côté de l'autre, pour que le Tiflim soit oncle d'eux. Tu comprends? Zemachomer dit que le blueprint c'était le plan du monde. Alors Akash barou, a créé ce monde pour qu'il s'adapte, pour qu'il s'adapte à, 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 à la Torah. Et tout ce qu'on fait dans ce monde c'est le blueprint, c'est, comme ça qu'à gauche, l'a créé pour qu'on suit le plan divin. Bon, Khadonai, il est en l'âme, Amen, Amen.